Ministre de force de l'espérance sur le haut gouvernement de Monsieur Son Excellence Paul Biya est décédé ce mardi 27 septembre 2022 de suite de maladie. Le ministre Amadou Ali est décédé. Nous apprenons depuis hier que l'ancien ministre de la Force de l'Espérance sous le haut commandement de son Excellence Paul Biya est décédé ce mardi 27 septembre 2022 en soirée de suite de maladie. Il a rendu l'âme dans l'avion en revenant d'une évacuation sanitaire à Genève en Suisse, indique une source. Monsieur Ali est donc né en 1943 à Kolofata, dans la région du nord du Cameroun. L'homme était diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM à Yaoundé. Il a également suivi un cycle international d'administration à l'Institut international d'administration publique de Paris. Comme parcours, il a été premier adjoint préfectoral de Ngaoundéré, directeur de l'organisation du territoire au ministère de l'administration territoriale, secrétaire général du ministère de la fonction publique, délégué général au tourisme, délégué général à la gendarmerie nationale. Il est secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale entre les années 1985 et 1996. En 1996, il est donc nommé secrétaire général de la présidence de la République avec rang et prérogatives de ministre, cumulative avec ses fonctions de secrétaire d'État à la Défense. Il est ministre d'État délégué à la présidence chargée de la Défense en 1997 jusqu'à 2001, puis ministre d'État chargé de la Justice, garde des Sceaux entre 2001 et 2004. C'est donc un grand homme que pleure le Cameroun aujourd'hui. Merci chers abonnés de rester connectés sur votre chaîne d'information préférée Cameroun Magazine. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche de notification et de nous laisser un message dans les commentaires. Bonsoir et bonne fin de journée à tous.